Clémence Lassala s'envole vers d'autres horizons. L'interprète de Charlie Molina dans la série Demain nous appartient a décidé de quitter le feuilleton quotidien pour pouvoir s'adonner à d'autres projets. Les personnages s'élèvent et reviennent parfois dans Demain nous appartient. La série quotidienne de TF1 fait vivre aux téléspectateurs de nombreux rebondissements. Il faut dire que les personnages du programme n'ont pas vraiment une vie tranquille. Si Esti ainsi que Lucie Salducci mouraient dans des circonstances plutôt troubles en 2021. Son interprète avait décidé de prendre le large afin de prendre du temps pour donner vie à d'autres projets. Quand j'ai décidé de partir de la série, c'était pour me frotter à d'autres rôles. J'ai dit à la production que je ne souhaitais pas partir définitivement. Si est pour ça qu'à chaque fois on laisse des portes ouvertes. J'aimerais revenir de temps en temps, avec plaisir avait-elle indiqué en septembre 2022 dans les colonnes de Télé Loisirs. Depuis, Laurie Pesté rêve de revenir dans la série. Mais il semblerait que Lucie Salducci n'ait plus vraiment sa place dans la ville de Sète. Un départ définitif? En revanche, Laurie Pesté a gardé contact avec ses anciens collègues, qu'elle va bientôt diriger puisqu'elle réalisera prochainement plusieurs épisodes de Demain nous appartient, on se voit régulièrement. Nos familles sont proches. On s'échange des conseils. Laurie est la première personne que j'ai rencontrée quand j'ai débarqué sur le tournage. Elle a toujours été bienveillante à mon égard. A révélé Mayel El Hajaoui, l'interprète de Georges, dans les colonnes de Ciné Télé Revue. Selon les informations de nos confrères de Téléstar, en kiosque lundi 29 mai 2023, Laurie Pesté n'aura certainement pas la chance de diriger l'une des comédiennes phares de la série. En effet, Clémence Lassala, l'interprète de Charlie Molina, va quitter Demain nous appartient. La jeune comédienne veut laisser libre cours à ses envies et ses projets artistiques. Le rythme des tournages est trop intense pour être conjugué à d'autres tournages. Aucune information n'a en revanche été donnée quant à la manière dont Charlie Molina va partir de Sète. Par ailleurs, la comédienne n'a pas précisé si elle partait définitivement ou non.